Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va. Bienvenue sur No Man's Sky pour nos carnets de voyage, heureux de vous retrouver. Ah, j'ai une de ces pêches aujourd'hui. Allez, on continue l'exploration de une dernière lune aujourd'hui pour ce système. Avant de reprendre notre marche en avant. Allez. On y va. Donc lune calcinée. Sentinelle normale. Allez go. Poche de gaz surchauffé. Citrine bêta. Donc, combien d'animaux? 8. Bon, ça va. Un volant, c'est tout. Un volant. Est-ce qu'il est déjà dans le coin? Non. Donc alors rien dans le coin. Ah, là-bas il y a une petite machine. Produit de déplacement. Ok. Donc déjà la fleur de terrarium ici. Ça c'est cool. Allez, on y va. On va bien voir en avançant si on la trouve, cet oiseau. Ok. Par où on va aller? Par là. Ah, la fleur d'heureuse. Allez, on continue. Ah, une pierre. Ok. Devenir. Ok. Faune inexistante. Hein, ça commence bien. Ça promet.
Ah, et rouge comme ça, c'est pas mal. Allez, hop. Ici. Là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est ? Oh, une plaque. Un petit souvenir. Alors, les cendres. J'entends les voix lointaines des entités Corvas qui se réunissaient ici pour prier, alors qu'ils murmurent des mots dans ma langue. Alors qu'ils murmurent des mots dans ma langue se mettent à briller doucement sur le monument. Les échos veulent être entendus. Et eux, en l'air sombre, les entités Corvax vénéraient les sentinelles. C'est par leur biais que la convergence découvrit la formule de l'illumination. À présent, nous calculons notre propre voie. Nous cherchons à développer encore l'esprit de ceux qui forment un tout avant d'atteindre la compréhension de l'Atlas. Ok. Le plus grand. Ok. Ok. On continue. Où sont les animaux ? Ça serait bien la première fois que je découvre aucun animal. Parce que là, c'est très mal parti. Ah non. Il y en a au moins un. Ok. La vache. Compliqué, hein. Un seul. Là-bas, il y a le bâtiment. On y va. Ça va être compliqué. Il y a un commun et un commun volant. Ah.
Ah, là, il y a une machine. Là, toujours un verre. Désert Bibara. Protection thermique. Qu'est-ce qu'il fout là tout seul lui? Corvax Entité est ici pour recherche planétaire, savoir, découvrir connexion entre géologique point. Alors le Corvax examine le point de passage à proximité de, et note diverses mesures. Les coordonnées de la région, les records de température, les niveaux de luminosité. On dirait qu'il conçoit une carte de la planète entière. La carte est conçue avec le plus grand soin, il ne manque aucun détail. Il semble flatté que j'y porte de l'intérêt. Et me donne un petit souvenir de cette rencontre. Ouais, super. J'en ai eu, j'ai été gavé hier de cubes de convergence. Merci quand même. Ah, ça y est, l'oiseau. Je t'ai chopé. Ah, tout doucement, on y arrive. Mais c'est très très long. J'ai rien fait. Quelque chose là-bas, je vais y voir. Ouais. C'est bien, j'y vais, bien vu. Hors de portée.
Allez, go. Ah, c'est un vaisseau. Ah, il est pas mal, hein. À 23-3. Alors, les journaux révèlent la carapace d'un pilote électronique au système défaillant et à l'enveloppe de protection fondue. Le Corvax semble avoir échappé à la justice. Il avait été pris en flagrant délit de falsification de données d'expérience de recherche, je dirais. Il n'a donné aucune explication au moment de son arrestation, ni révélé aucun motif pour ses actions malveillantes. Il a juste fui. On va le signaler. Comme ça mettra fin à l'enquête. Un accélérateur à fusion. Ouh, pas mal. Belle récompense. Je vais mettre une balise pour celui qui viendrait. Ah, je suis pas de plaquage métallique. Cette blague. Allez, on continue. Elles sont vraiment rares, les espèces. Franchement. C'est très compliqué d'explorer maintenant. Beaucoup plus qu'avant. Des dents nettes. Ensuite, en tout cas, la planète est très très cool. J'adore. Hop, j'ai pas vu le trou. Avec ce lever d'étoiles là, magnifique. Boum. Bon alors, où êtes-vous? S'il vous plaît, sortez de là. Montrez-vous.
là-bas. C'est peut-être un doublon, attention. 4 sur 8. Ok. Ah bah là. Ça se multiplie là. Attention, peut-être encore un doublon. Non, 5 sur 8. Waouh, deux espèces. Deux nouvelles espèces, une à côté de l'autre là. On a une sacrée chance, je peux le dire. Oh, puis encore un là. Voilà, ça s'accélère là, attention. On est sur la bonne voie. Allez, on continue. Ah, une boîte jaune. Yellow box. Là-bas, il y a un bâtiment. On va aller voir ça. Ok, rien du tout. Ok. Allons voir ça. Alors, est-ce que j'ai encore des recettes à récupérer? Alors, dis-moi. Le terminal clignote un avertissement. Sauvegarde échouée, technologie plan rempli, plan donné. Conclure, construction probabilité élevée. Voilà.
Ok. Un autre contrôle. Apprendre une nouvelle recette. La glace chaude. Allez, l'aronium. Ah ouais, je peux en apprendre d'autres vu que j'ai deux piratages d'usine. Allez, la grantine. Et le magnoir. Ok, très bien. Nickel. Allez. Sauvegardons. Où sont ces animaux là? Allez, allez, montrez-vous. Allez, là-bas. Allez là-bas. On va prendre des mots à défaut de trouver les espèces. Alors. Blob. Ok. Une autre là. Corrosif. Ok, très bien. Là, c'est les mêmes. Bon, encore un petit peu. Puis après on changera de système. Ah, c'est beaucoup plus difficile de compléter des planètes maintenant avec la nouvelle mage là. On dirait que ça s'est durci. Allez, on continue. Là, c'est du vert, du vert, du vert.
Ah, c'est compliqué. Là-bas, il y a une petite machine. Ah, prédateur. Peut-être que c'est un... Oui, c'est un nouveau. Il n'en reste plus qu'un, du coup. Allez, on se barre, parce que sinon, on va se faire bouffer. Blindage de vaisseau. Un violet, ça m'intéresse pas. Allez. On y croit. Plus qu'une. Ça doit aller. Purée. C'est inhabituel. On a peut-être une chance. Ah, une nouvelle petite machine. Ah, carburant de décollage. Vert, que du vert. Ah, il y en a une là-bas. Des nanonettes. Allez, la dernière là, montre-toi. Allez. Échoué pour une espèce quand même. Ah, c'est triste. Là, c'est que du vert. Encore du vert, partout du vert.
on va se diriger vers le comptoir commercial. Allez, s'il te plaît. Oh, je désespère. Atteindre les 500 planètes, ça va être compliqué maintenant si c'est comme ça. Hein. 500 planètes complétées, ça va être très très compliqué si... Ils ont durci l'exploration. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Allez, fais-moi plaisir. Fais plaisir aussi à mes viewers là qui ont. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas vu une planète complétée là. Hormis les planètes aliens, bien sûr. Ah, beaucoup mieux là. Sans la tempête, là on est bien. Ah, du vert, mais non, moi je veux du rouge là. Montre-moi du rouge. S'il te plaît, le jeu. Je veux du rouge. Non, non, non. Je vais me fâcher, hein, le jeu. La récompense, les explorateurs. Non, non, non.
28 nanites. Bon. Allez, go. Bon. Encore 5 minutes, et puis tant pis, on partira. Ah, là-bas. Allez, direction le bâtiment. Et à droite. J'ai rien fait, madame. Allez. C'est bizarre ça. Un beau bâtiment cuivré. Ça c'est cool. On va admirer ça. Des magnifiques reflets. Ah là-haut sur le bleu là. Ça rend super bien. Un observatoire, ça c'est cool. On va aller voir si on trouve encore un autre vaisseau. Peut-être c'est le même vaisseau. Alors... Donc 2302. Alors, oh non, rien, à mon avis ça doit être le vaisseau alors que j'ai dû découvrir. Ah, ça brille super bien, franchement, magnifique. Allez, dernière chance ici. Dernière chance. Hop, oh, attention, une petite boîte jaune là. Allez, je dois plus avoir de place sur moi. Dans le cargo.
Oh non, un microprocesseur. C'est nul. Allez, t'as une dernière chance, l'animal, là. Bon, maintenant, il est temps de te montrer. Là. Allez. Montre-toi. Là-bas, il y a une machine. Encore dynamite. Je vais virer ça. Je vais fabriquer des... la cage métallique. Plaquage métallique. Sortir le robot. J'ai des pièces de Minotaur à mettre dessus là. Je ramène le vaisseau, il est trop loin. Alors. Bon, y a rien. Allez, installons les pièces. Par contre, j'ai plus de place. Faut que je libère un peu de place. Hydrogène dans le cargo. Alors, ici. Alors on a quoi? Dégâts 10%, puissance d'armes 16, canon de feu 18. Dégâts plus 10, donc déjà c'est mal barré. Bon bah dégâts, allez on verra. Allez, on recommence. Dégâts 13. Là, il est déjà meilleur. Dégâts 11 ici. 17 puissance d'armes. Ouais, je peux enlever. Je vais enlever celui-là. Je vais récupérer celui-là et le mettre là. Voilà, comme ça il est plus puissant. Et ça c'est cool. Après, est-ce qu'on en avait un autre? Protection thermique, plasma, hyperpropulsion. Ah, encore un canon. Ah, j'en ai eu 3 là, c'est pas mal. 20, 18 d'armes et 11 de dégâts. Non, celui-là il est pas bon. Allez, on vire. Donc ça, dans le vaisseau, ça débarrasse
Et ça dans le vaisseau. Ok, très bien. Donc là, j'ai plus rien. Ok, très bien. Allez, on continue encore un peu. Par là. Encore une machine ici. On va aller voir ça tout de suite. Des nanites. Regarde s'ils sont pas dans le sol, non. Allez, go. Allez. On en était arrivé où alors? 191, c'est fait. Ah, 192. Allez, c'est parti. Allez, bon, pas de vaisseau, pas de cargo à défendre, pas d'espoir de retrouver un nouveau cargo. Bon, on va se mettre où alors? On va sonder le système. Donc celle-là, une désertique, ok. Une foisonnante, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une. Et une, deux tempérées dans le même système, et ça c'est pas mal. Bon bah on va se mettre là du coup. Allez go, on y va. C'est là-dessus les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour référencement de la chaîne et pour rater de mes vidéos. Et on se donne rendez-vous donc demain
pour la suite des carnets de voyage. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et allez, ciao, ciao.